Voilà, c'est parti. Alors normalement, on devait jouer à Demon's Souls, mais j'avoue que là, j'avais une très grosse envie de tisser. Et donc, on va continuer avec cette blague de merde, je l'avoue. Mais je l'assume pas, hein, je l'assume pas, je vous le dis tout de suite. On va reprendre du coup Spider-Man, Miles Morales. Bonjour aux personnes qui voient ça sur YouTube. Re pour les gens du live, c'est parti. Les labos de recherche de Roxxon. C'est là que tout le projet de Nuform a démarré. Le téléphone est quelque part là-dedans. Et je crois que j'ai trouvé une entrée. Ah. Pas maintenant. Ce conduit a un bouclier à haute tension. Qu'est-ce qu'il alimente? Faut que j'arrive à le désactiver. Évidemment. Alors, ils sont tous en mode danger. Est-ce que je peux viser un truc? J'en ai fait. Hein? C'est quoi ce bruit? Non, toujours. Ah, il est sûr. Bam. Ça c'est fait. Alors, est-ce qu'il va entendre quelque chose, faire un truc ou quoi? Alors peut-être que ce que je peux faire c'est ça. Oh le salaud! Fait mal, oh. Ok. Reste plus qu'à entrer dans le bâtiment. Non? Comment je fais? Ah. Alors c'est vrai qu'on aurait pu utiliser le camouflage. L'énergie absorbée a fait griller le générateur. J'en reviens pas que ça ait marché. Et voilà. Alors j'ai tenté la double élimination, mais normalement c'est censé un peu mieux marcher. Là, j'ai pas eu du bol. Non, je voulais voir s'il y avait des choses. Petit popotin en premier plan. Me faufiler dans un labo rempli de gardes armés. Ah, ils ont fait le petit rebondi de la fesse, regardez ça, c'est magnifique. Au ralenti là? Oh là là! Bon, allez! Me gaver de biscuits en plein d'épices! Pff, sérieux? C'est par où? Le plan cul, exactement. Le Spider Boula! C'est exactement ça! Mais arrêtez de me faire faire de la merde là, bon sang, c'est pas possible cette commu là, punaise! Vous méritez pas, hein? Pas avoir les idées claires. Faudra un petit saxophone. Oh, c'est joli. Ah oui, c'est trop beau. Il y a des bonnes idées de mise en scène à chaque fois. D'après le détecteur, le téléphone est dans les sous-sols, loin sous la surface. Spider-Man ou Tinkerer, on capture. 5 sur 5. Et si on a besoin de... Hé, hey, gamin. Qu'est-ce qui te fait rire? Oh, ah, Miles. Pour un petit maigrichon. Tu frappes fort. Oncle Aaron? C'est toi, le rôdeur? Mon père avait un dossier sur toi. Je sais. Et je parie que tu te poses tout un tas de questions. Mais il faut qu'on sorte de là. C'est une mauvaise idée de s'introduire ici. Je m'en irai pas tant que j'aurai pas trouvé ce que je cherche. Écoute, j'ai bossé pour Roxxon il y a longtemps. Et ces types ne plaisantent pas. S'ils nous surprennent ici... Alors, aide-moi. T'as... aussi têtu que ton père. D'accord, mais on fait ça à ma façon. Il y a un endroit d'où je peux accéder à un terminal de sécurité. Je pourrais te prévenir. Mine télécommandée. Certain si ça tourne mal. Te fais pas prendre.
toi se conduit avec la protection laser. Comment t'as fait ça? J'ai déjà eu affaire à ce genre de système. Concentre-toi. C'est le moment d'essayer les mines télécommandées. Qu'est-ce qui cloche avec les caméras? Y a encore des coupures? Non, ça c'était à Harlem. Reno a flagué toute une centrale électrique. Ça aurait pu toucher plus d'un seul quartier. Tout est calme pour l'instant. Attendez, j'ai entendu un bruit. Alors, qu'est-ce que tu cherches? Un téléphone. J'ai tracé le signal. Ça venait d'un sous-sol loin de la surface. Le point le plus bas du bâtiment est dans le fond du réacteur. C'est là que je dois aller. Est-ce au mec Gusto? Quelle discrétion. Il devrait y avoir un conduit dans cette pièce. Ça va au labo, et ensuite au réacteur. Un réacteur en uniforme? C'est ce qui est marqué sur le plan, ouais. Genre tu poses une mine mais ça les affole pas trop quoi. Hey, où est l'uniforme que j'ai demandé? Oh, on essaie d'en fabriquer plus, mais Mason ne nous a laissé aucune note. Eh bien, il paraît qu'une dose de uniforme a réchappé de l'incident sur le pont. Si je pouvais y avoir accès... Si je l'avais, je vous l'aurais donné. Vous pensez pas? Si, Monsieur Krieger. Mais il faut que vous compreniez que sans elle, il sera impossible d'être fait dans les temps. Je fais tout ce qui est en mon immense pouvoir pour retrouver cette bonbonne. En attendant, soyez gentils, dégagez d'ici et retournez dans votre labo pour faire votre travail. Krieger a un délai à tenir. Tu vas me dire à qui est le téléphone que tu cherches? À Tinkerer. Tu vas me dire pourquoi tu me suis? Pour te protéger. Tu devrais être honoré. J'ai repris du service uniquement pour t'avoir à l'œil. J'arrive pas à croire que mon oncle soit le rôdeur. Et moi, j'arrive pas à croire que mon neveu risque sa peau pour un téléphone. Finissons-en. Tu es près du réacteur prototype. Il faut que tu neutralises ces gars. J'aime pas être aussi près de ce réacteur. Le dernier qui a occupé ce... Je suis invisible. Il fait ça aussi, l'autre pidarelle. Allez, on se reprend. Fouillez la zone. La cible est hostile. C'est tellement abusé comme ça simplifie tout ce truc là. Alors attendez, juste. Hop là, me revoilà. Alors, je disais. Force l'état l'autorisé. C'est pas possible. Ça marche vraiment? Ça va. Incroyable. Merci. Le silo se trouve de l'autre côté de ce mur blindé. Sers-toi de ce terminal pour l'ouvrir. On l'avait bien pifié. Attends un peu. Il y a d'autres labos dans la ville? Et ils contiennent tous un réacteur à Nuform. Le Nuform a rendu Rick malade. Je dois les arrêter. Collectable. Concentre-toi. Trouve le téléphone et sors de là. Le réacteur est en dessous. Il alimente tout le bâtiment. Le téléphone est tout au fond. Je dois trouver un moyen de passer ce ventilateur. Et aussi tous ces types. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Ne te fais pas prendre. Je fais une ronde dans le coin. Alors, ça peut ne pas être extrêmement compliqué, mais faut quand même que je fasse gaffe. Donc là, lui, il y a danger. Pourquoi il y a danger? Parce que lui, il est là-bas. Ok, première phase d'infiltration un peu véritable. Premier finalement un petit puzzle on va dire. Attends, j'ai entendu quelque chose. Attendez,
Mais vraiment, il me repère pas quand je fais ça? Nous avons un intrus. Ouais, Gunky. J'appelle juste pour voir si t'es pas blessé. Ou bien. Bah non. Mort. Merci. En fait, c'est bizarre ce qu'ils ont fait là-dessus. Hein. Le gars qui travaille dans le métro. Figure-toi que c'est aussi le rôdeur. On va s'en plaindre, mais. Beaucoup Loud. Attends. Le rôdeur? Le voleur dans son costume violet? L'ancien voleur. Fais pas équipe. C'est temporaire. Ok. Ton oncle est le rôdeur? C'est dingue. C'est. C'est réaction. Complètement dingue. Je sais. Je dois te laisser, Ganky. On en reparlera plus tard. Je regarde pour pas avoir à faire tout le combat. Hein. Je pense que vous préférez qu'on. Qu'on fasse ça comme ça. Voilà. 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 Tellement efficace ce jeu. En vrai, speedrun, ça doit être marrant. Hein. Attends, danger ? Qui c'est qui le voit ? Bon ? Dépêche-toi, petit. J'essaie de désactiver les caméras et les alarmes. Il y en a pas plus, il débarque. Brise les câbles au-dessus du ventilo et il devrait s'arrêter. Merci. Ok, le mixeur de la mort. Je comprends pas exactement ce qu'il veut que je fasse. Mais... Ah si, j'ai compris. Non. Il a dit brise les câbles au-dessus du ventilo, hein, c'est ça? À l'intérieur quand j'ouvre. Ah, vous pensez que c'est ça? Ok, j'ai compris. Ça va le faire. Oui. Et maintenant les câbles. C'est parti. La batterie est déchargée. Qui explose pas. Pratique ça. Cool. Bon. Caméra, vidéo. La voilà. Ok. Faut être deux pour neutraliser le noyau. Tu lances le forçage ici. Je confirme là-bas. Première étape pour détruire complètement le Nuform. Ça t'embête pas? De détruire ta création? T'as vu dans quel état je suis. Détruisons cette saleté. Prêt? Prêt. Lancement du forçage dans 3... 2... Finn. C'était pas moi. Du sabotage industriel. Sérieusement. Personne ne se souciera de quelques pauvres idiots malades. Ingénieur mort, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Non. Vous l'arrêtez. Vous l'arrêtez. Non. Vite. Ne regarde pas. Quelqu'un d'autre là-dedans. Trouvez qui.
voulait sauver les gens. Et Krieger l'a tué. Je dois finir ce qu'ils ont commencé. Oncle Aaron, tu peux enlever la protection du réacteur de la hauteur. Je dois le tuer une deuxième fois. Pourquoi ? Ah non, pardon, pas eux. Téléphone, on dégage d'ici. Ce réacteur a tué mon ami. Il faut l'arrêter une fois pour toutes. J'ai besoin de toi, oncle Aaron. S'il te plaît. Oncle Aaron ? D'accord. Écarte-toi. Merci, mon oncle. Wow. Et la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi est-ce qu'elle filme ? Ça a l'air bon. Ça a aucun sens. Allez ! Miles, tu vas bien ? Il faut pas que tu restes là. T'arrives à bouger ? Ouais. Passe par ce couloir. Vite ! Je me sens vraiment pas bien. Téléphone. Je peux pas. Miles, parle-moi, Pete. Tu vas bien? J'ai l'impression d'être tombé d'un avion. Mais au moins, le réacteur est HS. T'es presque dehors. Ah, j'avais vraiment besoin de ce téléphone. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Allez, petit gars. Je pourrais pas arriver avant Robson. Envoie ! On a reçu la structure d'enfermer ! Yes ! Ils ont reçu l'ordre de te capturer. Quoi ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Fais des vieillères ! Interroger ? Je sais pas, mais je m'en tape. Te laisse pas faire. Contact, c'est normal ! Je suis dans la merde là. J'aurais jamais dû venir ici. Prends-toi, non. Il a senti cette fois. Calme-toi. C'est pas vulgaire. Allez hop. Il l'a senti. Oui, on l'a senti, c'est bon, on a compris la blague. Allez! À fond la caisse! Attention à son attaque électrique! Oh merde! Mike, je viens de me faire éjecter du système. Donne-moi une minute, je vais te sortir de là. Gagne! Oh, cette pause! Je peux me le faire! De camouflage. Comment ça marche? Tu prends à gauche, je prends à droite. La gauche à gauche ou la gauche de l'autre main? C'est la gauche de la montre? Je sais plus. Allez, t'inquiète pas, on est plus fort qu'eux. Et bam. Et bam. Aïe. Confirmé. Oh, j'ai pris tellement cher. Pas fini. Et alors, ils sont où les autres ? C'est bon, le train arrive. Ah merde, deuxième vague.
Aïe, 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 aïe. Tire-toi de là, petit. Aïe, 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 aïe. Franchis le mur, allez. Putain, on se croirait dans Demon's Souls, quoi. C'est quoi ce gangbang de ouf? Waouh, ok. C'est pas grave. Chaud. Ah oui, mais c'est ça. Va falloir te cacher. Ne fais confiance à personne et ne retire plus ce masque. Attends que Roxxon se trouve une meilleure cible. Je peux pas me cacher. Je dois encore trouver Finn. Tinkerer, c'est ta copine. Pas étonnant que ça te tienne autant à cœur. Mais y a pas que ça. Je dois protéger New York. Sers-toi de Finn. Dis-lui que tu veux rejoindre l'Underground. Tu viens de dire de garder le masque. Non, lui dis pas que t'es Spider-Man. Demande-lui en tant qu'ami. Non, elle est trop maligne pour ça. Tu serais surpris. On devient stupide quand on tient vraiment à quelqu'un. Et c'est ce qui t'arrive en ce moment. Si je lui dis la vérité... Les faits avec ton père. Je lui faisais confiance. Je pensais qu'il soutiendrait son frère. Mais il a coupé les ponts. Si je lui avais rien dit, j'aurais peut-être encore une famille. Tu sais ce que tu dois faire. Appeler Finn. J'ai le temps d'aller patrouiller. Ouais. Max, tu sais combien d'abonnés t'as gagné depuis que l'appli est en ligne? C'est un truc de malade. J'ai fait des calculs et je sais que tu m'as déjà dit pas de pub, mais on devrait peut-être y réfléchir. Non. Ça marche. Non, t'as raison. C'était juste une idée. Alors, t'as trouvé le téléphone de Finn? Ouais, mais... Il a fondu après que j'ai absorbé l'énergie d'un réacteur à nu-forme. Quoi? Et t'es pas mort? C'est ce que j'ai cru pendant une minute. Mais après, j'ai relâché toute l'énergie dans un genre de mini-explosion. Heureusement que j'ai pas ravagé tout le labo. Oh, faut vraiment que je fasse une liste de tous les nouveaux pouvoirs. Alors, on fait quoi maintenant? Oncle Aaron pense que je devrais dire à Finn que je veux rejoindre l'Underground. Comme ça, je pourrais récupérer le nu-forme qu'elle veut utiliser pour faire je sais pas quoi. Wow, tu veux lui mentir ouvertement? Je sais. Mais j'ai pas d'autre idée. Tu sais ce qu'on devrait faire? Dis pas lister les pour et les contre. Exactement, lister les pour et les contre. Je dois agir, Tanky. Je comprends. Bonne chance en tout cas. Appelle si t'as besoin. Ok. Alors. On en est où côté tenue déjà? Oui, alors mode de tenue, on va regarder ça déjà. Est-ce que je peux avoir ça ou toujours pas? Toujours pas, il faut que je fasse la fameuse tenue, hein, du coup, que vous connaissez. Bon, qui est là, dans le fond. Mais il y en a des jolies, hein. Celle-là est trop classe aussi, hein. Après, il faudrait que je fasse les différents trucs, genre piège high-tech et tout ça, pour avoir les tenues. Oh là là, mon dieu, celle-là est tellement classe. Ouais, on la verra pas, mais elle est tellement classe. Ok, alors, mode de tenue donc. Augmente la fenêtre d'esquive parfaite, augmente les chances d'obtenir la munition de gadget. Pour le moment, c'est pas encore foufou. De toute façon, j'ai pas le choix en fait. Ok, bon, on va lui mettre ça. Et là, on a le deuxième. Et ça, j'ai pas assez, donc on va juste équiper ce truc-là. Ok. Ouais, faudrait que je fasse les. Il faudrait que je fasse les trucs de quête et tout ça, mais je vous cache pas que ça me branche pas du tout. Ok. Très bien. Bah, les tenues de Peter, elles sont cool aussi en vrai, Charles. Hein. C'est vraiment deux univers différents après Miles Morales et Peter Parker.
Jameson a appris que j'étais, je cite son producteur, une groupie de Spider-Man. Et maintenant, il voudrait que je débatte avec lui. Jameson est un habitué des débats et c'est un journaliste accompli. Donc, même si j'ai raison, ça veut pas dire que je vais gagner. Je vais te casser en deux! Mais... Je ne retournerai jamais en tombe. Ça va le calmer. Ouh, fini. Il en reste combien des prisonniers en cavale? Voilà. Ah oui, il y a les points de compétence aussi, je suis bête. Alors, point de compétence. Qu'est-ce qu'on a ici? L'énergie... Ah oui, ça peut être bien ça. Pour fuir plus vite si jamais il y a besoin. Perfectionnement champ, etc. Permet de stocker un deuxième coup de combo grâce... Ah! Ah oui, j'avoue, ça peut être stylé ça. Ensuite, les ennemis paralysés subissent... Non, ça c'est pas très nécessaire. Les ennemis sont jetés... Ah, pourquoi pas? Agrandir la zone d'effet du point bioélectrique. On va faire le build de paralysie. Très bien. Bon là j'attends, vous l'aurez compris, que la quête principale se relance. On est dans l'entre-deux, ou au pire allez, tant pis. Il faut que je le fasse. Je vais appeler Finn pour la convaincre de me laisser rejoindre l'Underground. Salut Miles. Ça va? Ouais, pourquoi? Oh, j'ai vu pour le meeting de ta mère aux infos. On a rien. T'aurais le temps d'aller prendre un café? Le prendre. Il y a un café sympa sur Edison, près de la tour Fisk. Ils font pas des œuvres d'art avec la mousse, mais au moins, les gens prennent pas leur latte en photo. Ça change. Ok, rendez-vous là-bas. Allez, bientôt je ferai partie d'un dangereux groupe de criminels. Tout va bien. Allez, on va s'y rendre. Oui, c'est vrai que contrairement au premier Spider-Man, là c'est moins bien mis en avant le côté gadget et tout ça dans le scénario. Parce que, alors, concrètement, là c'est son pote hein, qui lui fait la tenue et les gadgets et tout ça. Mais c'est vrai que c'est moins le truc de tu vas aller dans le bureau, tu le vois faire ses premiers gadgets et tout ça. C'est un petit peu là quand même, on l'a vu au tout début de l'intro. Mais c'est vrai que Peter Parker, il y a vraiment ce côté genre c'est un scientifique, il fait sa tenue, il fait ses machins. Et puis plusieurs moments, tu le vois dans le labo justement travailler ses trucs. C'est un peu différent. Voilà, on est prêt, juste devant. Mais oui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la pause ici, et puis comme ça, on sera bien prêt pour faire ce segment-là, qui peut être assez long, j'imagine. En plus, peut-être infiltration, tout ça, on verra bien, avec peut-être une séquence un peu inédite, j'y crois, comme on a vu les séquences avec Mary Jane et tout ça à l'époque. On verra bien, toujours est-il que c'est la pause ici. Merci à vous d'avoir suivi cette VOD. Je vous retrouve très bientôt pour la prochaine partie de Spider-Man, Miles Morales. Et pour les gens du live, ne quittez pas, je reviens dans un instant. A tout de suite.